Salut tout le monde, et voilà, ça commence. C'est bon, ok. Salut tout le monde, c'est Aliana et bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore. Et si vous n'êtes pas loin, merci de continuer à me suivre. Hop, on va freiner. Ouais, je sais, c'est pas bien. Je filme alors que je suis au volant, c'est pas bien, on va rien dire. Mais je fais ce que je veux parce que je suis la reine de la journée vu que j'ai 31 ans aujourd'hui. Waouh! Nous sommes le 25 novembre. Là, je suis en train de filer à un rendez-vous médecin parce que pour ceux qui savent, je vous mettrai le lien de la vidéo. Je ferai sûrement un update de toute façon, c'est prévu. Par rapport à ma santé et tout ça, je dois être énormément suivie. Et ensuite, il y a quelques petits trucs qui vont se faire. Déjà, j'ai reçu ma vapoteuse de CBD avec du produit certifié vegan et non testé sur les animaux. Donc ça, pépite, va falloir que je vous montre ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai un rendez-vous avec un ami, mais de longue date, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, presque 15. Et vous allez voir ce qui va se passer parce que je vais filmer. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ensuite, je vais aller voir mes parents. Je vais sûrement me faire un petit gâteau ou autre chose. Ou ma mère m'aura sûrement préparé une tarte aux pommes, je pense. On reste vigilant, ça reste la route. Hein. Et non, t'attendras. Et puis voilà, ça va être un vlog très chill. Ça va remplacer le Sunday vlog que je n'ai pas filmé parce que bah clairement j'ai rien fait à part du ménage. Donc bon, je sais que ça plaît à certains, mais c'était pas le genre de ménage, de rangement, de vidéo qui font que c'est chill. Oui, j'ai une barre en acier au cas où pour me défendre dans ma voiture, on ne sait jamais. Mais putain, j'oublie que la caméra, enfin que le... c'est inversé vu que c'est avec mon téléphone. Donc je regarde là alors que je devrais regarder là pour vous regarder vous. Et voilà. Ce sont les risques du métier. Vous aimez cet angle? Oui. Voilà. Donc ouais, c'est parti. Et puis bah je vais peut-être avoir des cadeaux et tout. Enfin, même si la plupart des cadeaux, ça va être pour m'aider justement dans mon live update qu'il va y avoir comme vidéo. Bon, j'arrive à mon rendez-vous avec 5 minutes de retard, c'est pas très cool. On se retrouve tout à l'heure. Oui, c'est une voyeuse. Oui, c'est une voyeuse. Où t'amènes du... Hello. Doucement, hello. Où t'amènes du linge, mon amour? Oui. Oui, 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 oui. On va cacher la presse. Je suis dégoûtée parce que je voulais filmer. Donc, je disais, je suis dégoûtée parce que je voulais filmer le rendez-vous piercing. Et... le fait de me faire percer, sauf que plus de batterie, c'est pour ça que là il n'y a pas l'heure lorsque c'est en train de filmer, il doit être 19h quelque chose dans le genre. J'ai dû recharger mon téléphone parce que plus de batterie, je n'avais plus de téléphone. Du coup, alors c'est où? Ah, ce sont les piercings. J'avais déjà cette narine là de fait. On ne touche pas. On ne touche pas un piercing qui vient d'être fait. Hein? Ok. Porte ouverte aux microbes. On ne touche pas avec des mains sales qui touchent à tout. Donc j'avais déjà cette narine là. Et tain! Il m'a expliqué parce que je lui ai demandé tout ça vu que bah, c'est un ami. Et que puis même j'avais envie de savoir. Étant maintenant moi-même perceuse, je veux savoir. Je vais baisser le son parce que je pense que sinon ça va faire copyright.
Et en fait, il m'a expliqué qu'il faisait. Il perçait en inversé, donc il perçait de l'intérieur et il ressortait. Là, franchement, la première, mon premier piercing a été la narine. J'ai eu tellement mal, mais tellement, de passer l'arrondi, le coudé, du stud. Oh, c'était une torture. Et je m'étais dit, plus jamais je me referais les narines. Sauf que là, c'est Romain. Et Romain, c'est lui qui m'a fait mon septum, c'est lui qui m'a fait mon labré vertical. Et c'était comme une lettre à la poste, ça glissait comme dans du beurre, c'est magique. Franchement, Romain est juste génial comme personne. Je vous mettrai son Instagram parce que... Donc voilà, du coup, hop, c'est fait. Et ce sont des labrés justement, c'est pour ça que les billes sont assez grosses. Et c'est pour ça que je disais ça aussi pour le fait de percer en inversé, donc de l'intérieur. Enfin, vous m'avez compris. J'ai les cheveux qui font la révolution. Donc voilà, c'était un cadeau. Et ce que je veux faire, ça y est, on va y arriver. Je vais y arriver. C'est lorsque je n'ai pas envie de mettre soit des strass, soit des billes, parce que je vais réduire les billes, je pense que je vais mettre des... Là, c'est une 4 mm. Donc là, ça doit être une 3. Je pense que je mettrai un peu plus petit. Et lorsque je veux mettre des anneaux, je mettrai un fer à cheval au septum. Comme ça, je rentrerai le septum. Ou une micro-banane. Non, ça va me gêner. Je rentrerai le septum, je mettrai deux anneaux. Et comme ça ferait comme si j'avais que le médusa et deux anneaux. Donc, ça fera différents piercings. Comme si j'avais différents piercings. Alors qu'en fait, je les ai tous. Pour la prochaine fois, ce sera les cheeks. Un MD au troisième œil. Et... on sera bon. Je crois que j'aurai fait tout ce que j'avais prévu de faire. Il manquera juste cette oreille-là à compléter. C'est tout. Ce que j'ai reçu, c'est un cadeau d'anniversaire qu'on m'avait offert en avance pour aller justement avec mon travail. Et je l'ai enfin reçu. Je suis tellement pressée. Oh là 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 là. Que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vu que j'ai pas encore fait le live, peut-être ici, je suis perceuse maintenant et mon image de marque, c'est rouge et noir. Étonnant, très étonnant que ce soit rouge et noir. Et oh, ah oui, c'est vrai, j'en avais commandé aussi. C'était pas. C'est pas stérile. J'avais demandé des stériles. Ça me servira à autre chose. Oui, ça me servira pour lorsque je nettoierai. Et du coup, la la la, mon cadeau. Alors, bien évidemment, ce n'est pas du cuir. Mais noir. Oh, pourquoi tu n'es pas... Comment est-ce que je dois le mettre comme ça, je pense. Je suis trop fière, j'ai l'impression d'être une chirurgienne qui a ses premiers scalpels et tout ça. Et pour l'instant, je vais les exposer parce que je n'ai pas d'autoclave et tout ça, donc je ne peux pas les stériliser et pour que ce soit hygiénique et stérile. Ce qui va être pratique, ça va être pour tenir les bijoux lorsque les personnes sont cicatrisées et qu'il faut... changer le bijou, ça va être pratique. Il y a pour hop, ouvrir et fermer les anneaux. Donc ça, c'est trop bien aussi parce que c'est la chienlit. Est-ce que les gens disent encore chienlit? Ou c'est parce que ça y est, c'est le cap Je sais pas.
que vous dites chienlit? Je suis trop contente. Puis, j'ai pour couper. Je pense. Ah non, c'est pour refermer les anneaux. Je voyais ça comme une passe coupante. Mais non, c'est pour refermer les anneaux. Ah oui, c'est parce qu'il y a grand anneau, petit anneau. Ok. Puis après, bah, ce sont des clamps. Et en plus, ils sont ouverts. Trop bien. Oh. La fille qui se fait mal en direct. Et hop, ça, tu. Et que ça soit mais noir et rouge comme ça, je suis trop contente. Donc ça, je vais l'emmener demain au travail. Ça va aller à la poubelle. Celle-ci, on vérifiera qu'il n'y ait pas d'informations incorrectes. Puis bah, ça va aller dans la salle de bain. Donc voilà, au cas où si je termine ce vlog ici, et bah merci d'avoir passé mes 31 ans avec moi, d'être allée chez le médecin, de ne pas être allée chez le piercing, mais d'avoir vu mes piercings et mes projets piercing, et d'avoir vu mes cadeaux, et puis voilà. donc ouais, si c'est la fin, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine.